Eh bien, salut tout le monde, c'est Little Geeko pour le 10e et dernier épisode. If he's aware of the absurdity of arming oneself with a few sentences and standing against a power that can pierce time itself, ah, je savais que cette zone allait servir. The man has his share of weaknesses, perhaps more, but cowardice is not among them. Je vois ce qu'il y a là-bas. Mais bon, là, normalement, j'ai les meilleures armes du jeu. Donc, ça devrait le faire. Je pense que le revolver est bien mieux que le fusil à canon scié. Même s'il ne valait que 10 manuscrits. Enfin, valait, on peut dire ça. Et je vois pas quel monstre, quel nouveau monstre on peut avoir maintenant. Je crois que on a eu tous les monstres du jeu. Oh, you got yourself a little plan, do you? Par contre, lui, il va se... Putain, c'est pas ça que je voulais faire. On va se prendre le chargeur. Voilà! Ta mère! Ta mère! Motard pas content! Gentil motard! Enfin, je pense que peut-être qu'on aura une confrontation avec Mr. Scratch. Peut-être. Je pense. Au revoir! Ah, ok. Putain, c'est ça que je voulais faire. Au revoir! Oh! Oh putain, ça a failli être un sans pote. Oh là là. Ah, je vous ai vendu du rêve. Et j'ai ma vie, toute ma vie. Bizarre. C'est bizarre, 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 bizarre. Bon. Non, je suis content quand même que ce jeu ait été assez court. Ça fait que j'ai pu... comment dire, J'ai pu jongler facilement... Fusil... Non. J'ai pu jongler facilement entre mes cours et ce petit playthrough. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Alors. Non, pas ça. Voilà. Voilà, voilà. Mana mana tu tu du du du. Mana mana tu tu du du. Ne vous demandez pas pourquoi je chante ça. Mana. Ah! Eh oui. Il est costaud, ce Alan Wake, hein. Mana, mana. J'ai cru voir quelque chose. Non. Voilà. Turu, turu. Ah merde, merde. En fait, le truc, c'est que. Voilà, c'est juste qu'il y en a beaucoup maintenant. Juste ça. Qui a changé. C'est qu'il y en a beaucoup. Ok, mauvais moment. Bon moment. C'est bizarre, parce qu'en fait, ils disparaissent, puis après ils réapparaissent. Et là, ils vont tous crever. J'ai bizarrement le... Ce pistolet est bien plus puissant que les grenades aveuglantes. Ça, je comprends pas trop. Ouais, c'est ça que j'ai un peu de mal à capter. Normalement, les grenades aveuglantes, les mecs sont... Tout ce qu'ils craignent, c'est la lumière. Pourquoi ça ne marcherait pas? Oh, ok. Ah, c'est vrai qu'il a, il a cassé le truc. Ce qui m'arrange. Hop. D'accord. C'est rien du tout. C'est rien du tout. You're never getting out of this, Wake. Never. Don't worry. I'll take care of your wife and your life. Oh, mamma mia! Ah, la musique convient super bien là. Voilà. Go.
Putain, la musique est épique. C'est la musique sur tout à l'heure laquelle il dansait. Avec le couteau tout, quand il avait tué le mec. D'ailleurs, cette scène m'a toujours un peu dérangé parce que on voit une main. On voit une main prendre un pistolet. Voilà. What? You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? This'll end up just like before. Je rigole si ça marche pas. Je rigole, je craque, je ne sais pas. À voir. Alors là, il y a encore une page. Ouais. Et focaliser le rayon. There's more to fighting the Taken than just burning away the darkness that protects them. When I'm fighting for my life, I find myself slipping into a state of intense concentration that makes the beam of my flashlight seem more powerful and focused. I used to think it was just my imagination, something brought on by the adrenaline and fear. Ah, d'accord, mais donc il a de super pouvoirs. C'est ça le truc. Well, you've been indisposed, stuck in the darkness. I've been busy. I operate in the shadows, not always literally, you understand. I'm a little more resilient than those I've taken, but I do my best work in the dark. And there's so much darkness out there that goes deep. And the things that live in it are vast, big bastards. They don't mind getting a little bit of elbow room. All that chaos and madness, it doesn't really do that much down there. It's like pouring a glass of water into the ocean, right? But up here? Yeah, you can really make an impact. All they need is someone to bring them all the way through. Hi. But first, I had to take care of you. Okay. You party pooper. Bon. Alors je pense que les fontaines. Ah, bien sûr, il y a plus de fontaines. Non, c'est pas marrant. Plus d'ennemis aussi. Ouf, ça il m'a. Trop d'ennemis. Mais énorme cheaté. Donc vous voyez maintenant l'importance de récupérer tous ces manuscrits. Et là vous voyez. Ah, bah t'étais pas obligé de tous les lire. Bah non, désolé, je... ça m'intéresse tout ça. Acheter un jeu comme Alan Wake et le faire juste pour l'action, vaut mieux se prendre, je sais pas. J'avais comparé à Max Payne, mais Max Payne aussi c'est le scénario qui est ultra important. Voilà. Max Payne surtout 3. Le scénario est ultra important. Et les trucs pour ceux qui aimeraient, je sais pas, jouer à Max Payne et qui ont jamais joué au 1 et au 2, allez jouer au 1 et au 2. Sinon, ça sera juste impossible de savourer le jeu. Max Payne, c'est un jeu qui se savoure par son, par le scénario, par l'action. Ah, toi t'es méchant, toi par contre, avec ta fossile. Communiste! Voilà, on y est presque les amis. À la fois que j'utilise autant de... C'est la première fois que j'utilise autant de piles. C'est la première fois que je meurs comme ça aussi. Vous allez crever. Finement. Voilà.
J'esquive. Voilà. Alors. Allez, putain. Allez, allez, on y est presque. Voilà. Voilà. Là, on a du corps. Ok. Merde. Ok, c'est trop loin. Ouais, c'est vraiment la première fois que j'utilise autant de piles. Hein. Ok, ça t'a rien fait, toi. Ok, il est disparu. Normal. Normal. Voilà. Bon, bon, allez, on y est presque, on est presque à la fin, les amis. On peut le faire. On peut se faire ce gros motard. C'est fait. Personne derrière nous. Communiste. Ça, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. What putain. Dégagez de là. Oh putain. Voilà. Merde. Et allez, 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 allez. On y est. Voilà. Donc, normalement, avec le message complet, ça devrait mieux le faire. Ça devrait bien mieux le faire. Voilà. Alors, je sais pas si je vais voir un combat avec l'autre. On va voir ça. Again, the champion of light enters the final trap. The new reality is almost here. All he needs to do is change the details of the scene. Et en fait, tout était dans le truc d'arcade. Alors, c'était 1h avant 1 minute. Et le film d'Alice était dans le projecteur. D'accord, c'est juste ça que c'est mignon. Il faut que le film d'Alice soit dans le projecteur. Donc. Voilà. Poster est là. Voilà. Et tout est dans le film. Non. D'accord. C'est... Ah, ça a l'air de marcher, les amis. Petite cinématique. Oh, come on, buddy. Why don't you... What? What is this? No! No! C'est quoi ce bus? Is it really you?
Oh. Ouais, juste là, on pourrait croire. Bon, allez. Two lovers held apart for far too long, enveloped in the light of a glorious dawn. They both feel it. He's home at last. He's back. Are these actual events, or merely a dream, a memory, or a glimpse of what is to come? As an One X. Thing is certain. This scene takes place in another time and another place, far, far away. Night Springs. Springs. Bon, est-ce qu'on va voir un truc après? Je ne sais pas. Chargement. Eh ben non, c'est la fin, les amis. Bon, ben j'espère que les amis vous avez apprécié ce playthrough. Troisième playthrough terminé sur la chaîne. Sachant qu'il y en a encore un qui va venir juste après. Il y en a jamais assez. Je vais vous laisser la petite musique, les amis, allez. Moi, regardez, Log PM, c'est moi. Hop. Moi, je trouve ça important de regarder le générique. Sans mec, pour voir qui ont fait ce superbe jeu ou qui ont fait ce jeu de merde. Ça dépend des jeux auxquels vous jouez. Mais bon, voilà, c'est comme dans une Clash, on regarde la fin. C'est pas comme le playthrough de D-Rester. Il n'y a eu qu'une dizaine de vues, mais je vous invite vraiment à aller voir ce playthrough car l'histoire est ultra intéressante. Et bon, le playthrough d'y rester à la fin. Ah non, mais je peux vous raconter la fin, je suis con. Voilà. Bon. Bien, on a toutes les musiques, donc c'était Club Foot. Et à la fin, c'était The Happy Song. N'importe quoi, le gros truc cliché quand même. C'est quand même long le générique. Hein. Enfin, le générique de No Clash. Ah bon, il y a toutes les voix. Donc c'est Matthew. Oh, bah bon, pour la voix anglaise. Et bon, la pauvre Serena. Ouais, Serena Valdiva. Dans le dernier. Dans le dernier, dernier chapitre, on la voit même pas. Elle ne croit même pas se faire Alan Wake, la pauvre. C'est en deck. Il est trop fidèle, ça, Alan Wake, hein, c'est...
Mais bon, quand même, vous avez vu, il y a trois personnages dans le jeu. Enfin, non, il y a l'autre, là, Michael aussi, qui est mort. Et voilà, il est mort. Mais tous les autres personnages, c'est que des meufs. N'importe quoi. Et l'un des seuls rares personnages masculins, c'est lui-même. Ça en dit beaucoup, quand même. Voilà, on y est presque, on est presque à la fin. Allez, dépêchez-vous. Même si je sais même pas s'il y en a encore qui regardent jusqu'à là. Hein. S'il y en a qui regardent sur jusqu'à là, hein, dis GG. Merci à toutes les familles et à tous les autres. Ah, ça va continuer. Très bien. Ah. Ah ah. Ouais, ça c'était Barney qui regardait la vidéo. Attendez. Non. Al. D'accord. Ça y est. Nous sommes enfin à la fin de ce magnifique jeu que j'ai acheté pour pas très cher. Si vous voulez y jouer, mais c'est un peu con, c'est d'avoir. C'est un peu con, jeu de collection. Arme. Regarde. Figetto, revolver, cloueuse, lance-fusée, pompe, carabine. Ah, j'ai pas eu l'arbalète. Y'a quoi que j'ai pas eu? Non, mais j'ai tout eu à part l'arbalète. Bon. Page de manuscrit. 18 sur 21. 14 sur 16. Oh, oui. 10 sur 16. Ah, bah ça va, ça va. Vidéo. Je les ai toutes, et radio, bah, je m'en fous un peu, hein, vraiment. Bon. Eh bien, j'espère que vous avez aimé ce playthrough. Laissez un commentaire, etc. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires sur une vidéo. Et je vous dis à la prochaine, pour encore un autre playthrough. Mais celui-là va faire un peu plus peur. Allez, ciao, je vais bien, c'est Little Gecko.